nous sommes les Ocarina Knights. Aujourd'hui, on se retrouve dans le monde 4-5 même de Mario 3D Land. Ça a pas l'air fun. C'est la partie de Paragus, des Gozaimas, on n'oublie pas. Et donc, c'est parti. Oh là là, c'était Gozaimas. On lui finit son jeu, on ne décevait pas. Il n'y arrivait pas, donc... Oh, ah, mais je pense qu'il a eu quelques soucis qui fait que du coup, il ne pouvait pas continuer. Ouais, c'était compliqué pour lui, le pauvre, tu vois. Il a dit qu'il devait partir, mais... Et son fils lui a répondu « Ah bon, tu vas quelque part dans un truc pour une seule personne ?» Ouais, ouais, je pense que c'est ça, et du coup, bah, finalement... Puis, finalement, il est parti. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bref, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette pièce va bien. Ah ah, non, en fait. Vas-y, on verra. Ah bah non, bah oui, non, c'est juste pour gagner d'argent, en fait. Ça sert à rien. Ok, très bien. Ouais, je disais, j'espère que vous allez bien dans ce jeu rempli d'énigmes avec des blocs verts à voix bleue. Ok, ah, la petite pièce. Il va falloir que j'y aille avant que. Ok, ça va, tranquille, tu as eu la première. Okay. Je regarde s'il n'y a pas des cadeaux. Hein. Non, j'ai pas de cadeaux. Non, mais. Pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux pour Paragus. Non, mais c'est le mode difficile, si tu mets le mi Paragus, c'est tout de suite plus difficile. Je vois. Par exemple, je voulais faire une roulade, mais je vais me jeter dans le vide. C'est avec le bouton... Ah oui, voilà, c'est comme ça. Mais je sais pas encore me servir de ça. Alors... Ok, très bien. La mouche. Ah mince. T'inquiète, c'est calculé. Ouais, bah j'imagine bien, mais bon, je t'avoue que moi, Mario, il me stresse dans ce jeu. Ouais, ouais, Mario est stressant. Oh, y a peut-être un cadeau là, on saura jamais. Oh, je pensais que j'étais dessus. Oh, j'avoue que. Je oh me là disais. Là, la perspective, elle a été. Je me disais, vas-y, je me sers de l'abeille et tout, j'y vais. Ah, j'avoue, la perspective, elle a pas aidé. Je t'avoue que je pensais aussi que t'étais bien. Franchement, là, j'aurais été le jeu, je t'aurais dit que t'étais bien. Bah ouais. Mais le jeu, malheureusement, il joue dans l'autre équipe. Enfin, c'est le concept hein, des jeux vidéo. Toujours il est contre toi le jeu vidéo. Il est jamais avec toi. Après tu peux peut-être monter sur le bloc marron. Hein. Ouais je pense. Mais... Bon après tu peux faire ça aussi. Ah il est vraiment haut en fait. Bon par contre... Oh par contre il y a la petite pièce derrière. Ah il y a l'idée derrière, c'est bon. C'est pour ça donc que la perspective n'était pas bonne. On rappelle Mario 3D Land a 3D dans son nom, il faut y jouer avec le mode 3D d'activer. Ouais, notamment sur une 2DS, c'est pas mal. Là, je pense que... Oh, j'avoue, là, tous les gens qui ont pas le mode 3D, je pense qu'ils se sont bien amusés sur ce jeu. Bah, genre nous, par exemple. Ouais. Tu vois, enfin, nous, on a une 3DS, mais bon... Ah, le concept de la 3DS, on n'a pas trop compris, nous, personnellement. Donc, on se dit... Et si mais on y jouait sans la 3D? C'est vrai qu'en fait, comme c'est les premiers jeux 3D... Oh non. Oh, purée. Je sais pas à quel point ceci a une hitbox généreuse. Ok, elle est pas du tout généreuse. comme ça fait partie des premiers jeux de la 3DS, bah, y avait encore ce côté « Tout doit avoir au moins un mode 3D dans... » Mais non... Eh mais, j'appuie sur le stick, hein, mais pas assez... Non mais Mario, je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais... enfin, Mario, je sais pas ce qu'il a fait, tu vois... Ah mais heureusement que super vois... loin là alors que je... Heureusement quand même je... heureusement que Mario tu vois il a fait des efforts dans les derniers jeux quand même parce que franchement c'était mal parti avec Galaxy et 3D Land c'était devenu un grand-père le gars mais il s'est remis en forme tu vois il a vu des vidéos de lui il s'est dit non c'est pas moi ça. Ouais ça doit être ça et il s'est remis au sport et mais non mais voilà. Allez, descends. Oh là là, mais Non mais en plus à la fin, je vous avoue de chaque vidéo, j'ai trop mal au doigt parce que je reste appuyé sur X. Et du coup, bah non, mais il est tellement plus agréable Mario dans Mario 3D World. Bon, donc là si je vais au bord, est-ce que ça passe tranquille? Ouais, ça me paraît hein. OK, ça va. Et c'était jouable. Ouais, non mais je Bon, allez, le frère Boomerang.
Est-ce que tu donnes un pouvoir? Jamais de la vie, je donne un pouvoir. Pas dans ce jeu. On en prenait pour qui? Pourquoi il y a autant de trucs? Bah c'est vrai en plus. Bah là, ça me paraît être le bon chemin, j'imagine, par là. Attends, mais il doit y avoir une étoile. Il y avait des trucs là. Ah voilà. Oh purée. J'étais en train de dire, je comprends pas. Ok Mario. Alors donc eux vous servez à rien. Non mais eux ils servent qu'à gagner du temps. Je sais pas pourquoi, mais t'as besoin de gagner du temps. Mais... Parce que c'est tellement lent que... Que... D'ailleurs, parlant de ça, je n'ai plus mon Tanuki. Ah, tu penses que tu peux le prendre, hein, il y en a un en réserve. Attends, ils veulent que je fasse ça. Ah oui, non. Okay. En fait, tu sautes carrément pas assez haut, hein, quoi qu'il advienne. Je pense que là. T'es obligé d'utiliser Tanuki, qui te donne pas d'ailleurs dans ce jeu, dans ce niveau plutôt. Là, bah en tout cas, sur longueur, c'est non. Allez, on finit ce niveau bien. Ah, il était bien le niveau. Mais non. Finalement, on a pris. Si ça se trouve, le problème c'est que j'ai fait un saut longueur et il fallait juste sauter normalement. Peut-être. Mais bon. Prenons pas de risques. Eh bien, alors qu'est-ce qui nous attend dans cette superbe forteresse volante? J'avoue qu'on les enchaîne les forteresses volantes, y'a que ça en fait. Oui. Enfin, je sais pas, genre. Bon, en tout cas, voilà, c'est au crépuscule, c'est sympa. Un petit cadeau sympa là-dedans? Non. Oh non. Mauvais chemin. Ouais, je sais, là, il faut pas s'inquiéter, j'en ai conscience. Du coup, passer en haut, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Ah, je croyais que... J'ai fait, moi, ok. Là j'avoue, c'est de ma faute. Mais j'avais l'impression de voir un passage... Par contre, je vois plus Mario. Ah, mais j'avais l'impression, je t'assure, de voir un passage vers le haut. C'est pas grave, t'inquiète. On dirait trop qu'il y a un façade. Ah ouais, non, d'accord, ok, non, rien du tout. Ah, mais en fait, oui, je vois que tu... Ouais, mais je croyais que... Bah ouais, donc il y avait bien un truc là-haut. Mais en fait, ça sert à rien parce qu'il y a un... Du coup, il n'y a pas la pièce étoile. Oui, voilà. Bon, après... Non, mais là, Mario... Non, mais c'est le moment où, tu vois, Mario commence à se remettre au sport. Oh, il y a une pièce là-bas. Oh! Purée, il joue au foot, Mario! Il joue au foot! Je sais pas si ça s'arrête à un moment donné. Peut-être un truc derrière. Ouais. Mario, tu vas où là? Mario, s'il te plaît. On est déjà assez mal en point comme ça. Je veux juste aller entre les deux. Non, pas le droit. C'est parce que c'est mini Mario. Ah bah voilà, tout ça pour une vie. Après tu peux faire une roulade sur le truc, peut-être que ça te donne un autre truc. Genre comme ça? Ouais. Vous faites... Mais ça ne fait rien. Bon, je vais quand même prendre ma réserve. Alors, qui veut se battre? Il y a les trucs au fond là qui continuent de basculer. C'est bien mignon ici. C'est clair. Ah mais elle vient de ce jeu en fait, Madame Pom Pom. Bah ouais, en fait, je le savais. Madame Boum Boum. Elle est peut-être repassée dessus. Le coupa le plus sympa, c'est ça? Meilleur personnage de Mario Party, je ne sais plus combien. Super. Je crois. Non, c'est Super Mario Party, je crois. Oh, mais purée! Ouais, je crois que c'est ça, Super Mario Party. Je croyais que je pouvais l'enchaîner. Non, mais non, mais non, mais... Mario, c'est pas un jeu qui permet d'enchaîner les deux. Oh mince, Mario, t'as vu là ce ralenti là? Mais ça, je connais, c'est ça, il m'a tout le temps comme ça, les ennemis. Il est tombé tellement d'un coup, Mario! Classique! Un classique, c'est comme ça que je fais une droite par mourir. D'habitude, c'est Monsieur Boum Boum qui me fait ça. Quoi. Alors, y'a quoi comme cadeau ici aujourd'hui? Ah, peut-être t'auras un champignon. Oh, allez, une pièce là. Que de radinerie. Tiens, vas-y, prends ton truc. Voilà, tu voulais un truc, bah voilà, prends rien. Merci. Ah, bah, Mini Mario win là. Mini Mario qui a même pas essayé de faire un long jump. Il a juste... Mais non, mais je me suis dit que le long jump il servait à rien parce que. Clairement, en fait, il te fait pas prendre de la hauteur, il fait juste aller plus loin.
Oh, j'ai cru que Mario il allait encore faire des bêtises. D'ailleurs, les petits blocs. Ah mince, il faut que je descende. Les petits blocs Tanuki, ils donnent pas de. Non, bah non, ils servent à rien. Quel dommage. Bien, après de nombreuses péripéties, c'est à ton tour de jouer. Allez, c'est parti, allons voir en pyjama notre super lettre qu'on va recevoir. Incroyable. Ah, c'est une lettre violente celle-ci, tu vois. Ah, allons. Oh non, la princesse est attaquée par des... La princesse va se faire manger par des Goombas. Mais Peach, tu flottes, tu oh, sautes secours, et après Mario, tu fais une brochette. Je vais me faire manger par des marrons. Des marrons. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah ça, on ne sait pas finalement, princesse. Qui sait? Non, enfin Mario, il est sympa, tu vois. Ah, donc il y a des fleurs boomerang. Ouais, donc ok, ça existe. Mais les frères boomerang de tout à l'heure... Ouais, pas envie. Regardez-moi ce magnifique truc caché. Mm-hmm. Alors, par contre, ici, si, il y en a une en haut. Ah, je vois, tu jettes ce boomerang. Putain, ça marche vraiment pas dans ce jeu. Ah ouais, d'accord. T'as vu, c'est dommage. Mais oui, mais attends, mais pourquoi il y a... Bon, non, mais Mario, là, sérieux, faut faire un effort. Hein. Là, c'est pas possible. Ta technique suprême de tes ancêtres, qui est un héritage familial, tu peux pas le faire dans ce jeu. Ah, bien joué. Ouais, là, j'y croyais pas. Hein. Oh. Ah ah. Il faut remonter sur lui. Hop. Bah... Ouais, ok, très bien. Patiente bien, non, ça va. T'auras pas tant attendu que ça. Non, ça va. Bon, alors les bouts, c'est bon. On est bien à la deuxième, c'est bon, on est bien à la deuxième, ok. Oula, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui se passe? Tour combat. Oh non, bah oui, bah voilà, c'est ça. Tu vois, tout de suite, on fait des âneries. Ah bah d'accord. Mais... Ah oui, d'accord, ok. La générosité est généreuse, tu vois. Mais c'est pour se rappeler un peu Donkey Kong 64, tu vois. Splat, a dit... Regarde, machin. Maintenant, c'est Mario Party. Ouais, bon, finalement. Ça va pas rester longtemps, là. Bon, est-ce qu'on peut tuer ce truc? Il faut pas rester dedans. Oui, mais il sort tu sais, quand il se prend c'est point. Comme un gob dans Splatoon. Mais non, c'est pire, c'est un machin, tête de pneu, le machin, il est jamais sorti. Genre, ah ok, il meurt tout seul. Tu lui demandes, sors s'il te plaît, il a fait, ah ouais, non, mais non, merci, j'ai pas envie, je préfère sortir plus tard, voilà. Touche-moi, comme ça, hop. Voilà. Non, mais... Ok. Ah, il est pas mort, déjà. Ah non, mais, pff, ah, non, mais la perspective, pas toujours facile. Hein. Là. C'est hyper important d'aller ramasser ça, tu vois. Absolument, c'est genre... Mais oui, voyons. En fait, ils sortent au bout d'un moment, en fait. C'est pas... En fait, il n'y a pas de concept de machin, en fait. Moi, je pensais qu'il y avait un petit délai, du genre... Dès que l'ombre disparaît, dans... Mais je me jette dedans, il y a zéro problème. Dans hein, X millisecondes, il sort, tu vois, je me disais. Ah, ils m'ont bien vu. Ils m'ont bien vu. Je me fais avoir par absolument tous les pièges, hein. Il y a aucun effort. Il y a absolument aucun... T'as toutes les pièces maintenant, t'as plus qu'à te concentrer jusqu'à l'arrivée. Il y a aucun effort de... Oh. Alors, est-ce que ça m'indique le bon chemin? Ah, tu vas super haut, là. Non, c'est bon. Ça m'indique le bon chemin. Ouais, désolé, j'ai joué à Mario 64. Ouais, mais je comprends, Il faut toujours viser un peu... Sur le coup, j'y ai pensé. Un peu plus vers le haut, tu vois. Je me suis dit... Que c'était une habitude de Mario 64. Mais non, mais... Bon, ok, on est bien hein, avec le bébé Mario. T'as toujours une feuille. Ah bah non, regard. J'allais dire au début du niveau, je peux. Bah non, bah ouais, mais tu peux faire peut-être au début du niveau, mais ça ne sert à rien. Ah, il t'explique que tu peux revenir à un monde précédent en touchant l'onglet. Ouais, mais bon, tant pis. Hein. Ça prendra trop de temps, à la limite, je meurs au début, je sais pas. Ah, ils vont peut-être me donner une fleur de feu. Ah, si c'est le niveau auquel je pense que je m'en souviens et que je l'aimais bien. Ok, d'accord. Ok. Ok, Mario. Alors là, on va faire. Bon, ok, non, il a absolument pas envie, Mario. Ouah!
C'est pas grave, c'est pour avoir un champignon. Tu vois. Oui, voilà. Bien sûr. C'est une stratégie. On fait hop. On s'était pas ce qui était vraiment prévu dans le contrat. Ah, il y a deux chemins. Ah, c'était le bon chemin, d'accord, très bien, on va pas y aller. Ça me paraissait pas être le bon chemin, a priori, mais bon... Oula, Mario, il s'est bloqué dans un mur. Ah oui, là, il faut une boule de feu. Oui, mais donnez-moi la boule de feu dans ce cas. Peut-être qu'elle est plus loin et tu peux revenir en arrière. Ah, il est bizarre, là, votre concept, quand même. Mais non, t'inquiète. Ah, d'accord, il y avait... Oh, oh là. Attends, ça, ce truc-là, il monte, ok. Est-ce que je prends ça? Je peux le prendre, de toute façon. Ça, techniquement, c'est pour les bonus. On s'en fiche. Fais un 10. C'est une seule, t'as 10 secondes pour faire un pixel art. Bon, on va pas. Par contre, là, y a pas de boule de feu. T'inquiète. Plutôt, y a pas de pièce étoile. Ah oui, mais je me fais toucher. Du coup, ça sert plus à rien que je continue le niveau maintenant. Oh, c'est la troisième. Ben oui, ben oui, mais je sais où aller la première. Mais le problème, c'est qu'il donne jamais de boule de feu, donc. Y a un problème avec ce jeu là, c'est pas possible. Oh non! De toute façon, ça sert à rien. Elle est où votre boule de feu? Attends, j'ai pas pris le. Mais voilà, mais il était caché là, mais aussi, mais non, mais. Voilà, là, on va pouvoir gagner la première. Avec la petite musique qui va bien. Bravo! Oula! Très bien, on a la boule de feu. C'était la deuxième pièce! Attends, c'était la deuxième, pas la première. Ah. Bravo, ça marchait. C'était pas prévu comme ça, je pense. On va même pas gagner une pièce. Waouh. Bon. Non, mais là, le mystère est entier, quand même. C'est... Comme je te dis, en bas, qu'est-ce que c'est? C'est juste un mur? Ah bah non, c'était vraiment une plateforme. J'y suis allé là. Enfin, j'ai essayé plusieurs fois d'y aller comme ça. Mais là, ça marche. Mais qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là. Vous y revoilà donc, la salle des ténèbres. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce niveau donjon Zelda? Ah ouais, bah c'est bien, mais malheureusement... Mario, il a pas les compétences de Link, il en aurait bien besoin, tu vois, comme dans Mario 64, c'était très bien dans Mario 64, tu vois, il peut donner des coups de poing et compagnie, et là, bah, Mario peut plus. En tout cas, ça me fait beaucoup rigoler. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rigoler de passer du temps dans ce niveau, parce que du coup, la musique des souterrains, ouais. En fait, il y a des instruments qui sont utilisés dans l'Octa Canyon de Splatoon. Oh. Et comme on sait que le compositeur de Splatoon, c'était le compositeur de Mario Sunshine, bah j'imagine que c'est peut-être le même ici aussi. J'avoue qu'il y a possibilité, hein. Je pense qu'effectivement Mario... Bah, de toute façon, c'est plus Koji Kondo depuis un moment, comme Zelda, hein. Mais... Ouais, peut-être, peut-être. Ah, j'avoue que je sais pas du tout combien de temps cette vidéo elle fait, parce que j'ai passé un temps monstrueux dans ce niveau. J'en ai aucune idée. Bah ça après, soit tu tentes le niveau suivant. Je pense qu'on va tenter le niveau suivant. C'est un niveau secret alors. Je pense qu'on peut tenter le niveau suivant parce que je suis pas confiant quant au temps de cette vidéo à faire vis-à-vis. J'ai vraiment passé beaucoup trop de temps à trouver ce petit passage. Alors que j'y suis déjà allé, j'y étais déjà allé, mais Mario il a dit non, j'ai pas envie d'y aller, merci, ça va, très peu pour moi. Let's go. Ok, ça c'est que ce truc. Un truc. Ok, très bien. Ouais, ça c'est une plateforme. De toute façon, c'est la musique des niveaux dangereux. Ah non, je sais pas, ok. Wouhou.
Alors je sais pas ce que c'est ce truc, mais il sert un peu à rien quand même. Bon, j'imagine que je suis obligé de prendre ça. Bah, surtout s'ils mettent une pièce étoile dans le vous avez mangé mon truc bien là. Oh non. Ah et vas-y, je pense qu'il fallait que j'active les deux. Là j'ai... Ah, je me suis bien fait avoir là. Pour le coup, je me suis dit, attends, il faut que j'active les deux. Ah, par contre, j'ai toujours pas de pièce là. Et ça, ça me... Ah, bah, attends, toi. Ça fait peur. Hein. Pourquoi j'ai toujours pas de pièce? Une fleur de feu. Ah, mais je sais pas ce que vous faites. Mais... Ok, non, toujours rien. Courage. Non, il ne saute pas après. Ouais, je sais pas, là, Vibe 3D World, je me suis senti, c'est bon. Hein. Là, là, on peut faire des trucs. Là. Ah, par contre, toujours pas de pièce après le premier. Ouais, oh, ah, je me suis bien fait avoir par la bêtise. Ah, je me suis bien fait avoir par la bêtise. Bien joué. Bien joué. Cogner sur le bloc. Là, il faut reconnaître que Bowser, des fois, il a des idées comme ça. Ah, tu penses que c'est Bowser qui fait ça? Ah, bah d'accord, ok. M'arrêter au zéro vélocité, merci. Ah non, mais c'est. Ah, tu veux continuer dans. Non, 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 Mario, il a dit non, 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 très peu pour moi. Moi, je m'arrête là. Ça, salut. Alors, c'est la première, c'est la première. Allez, donc. Ouf. Et youhou! Sachant qu'en plus ça s'arrête net après. Ok, très bien. Bon bah, prenons une fleur de feu. J'ai pas trop checké ce qu'il y avait en bas. Tu vas te faire ouais, mal. On va pas. Aller en bas, très bien. On a toujours ces espèces de trucs là. Très bien, allez hop, Mario, monte. Oh ah, ouais, bah oui, c'est pour moi, là, on l'avait dit de toute façon. Là. Ah non, c'est un niveau en 2D. Ah, c'est génial. Ah, jamais on a été aussi heureux de voir des niveaux en 2D. C'est bien parce que tu vois, il y a le let's play de Sonic Frontiers et le let's play de Mario 3D Land, deux salles, deux ambiances. Hein. Vive la 2D. Très bien. Oh non. Oh Mario. Oh, 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 oh. C'était juste après la pièce. Pas les rebonds sur la même plateforme qu'elle devrait. Oh, j'espère que du coup. Ah, ok, j'espère que rien du tout. Hein, mais non, le bloc étoile. Le bloc arc-en-ciel, j'espère qu'il sera toujours là. Ouais, 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 parce qu'en fait, c'est une fois par vie en fait. Donc normalement, il est censé être là. Et la pièce est à gauche. Ah, ouais. Allez, hop. J'allais dire, faut peut-être pas aller trop vite, mais en fait, si, je pense que t'as pas le choix, en fait. Ah mais Mario, il a pas sauté, j'ai pourtant appuyé sur le bouton de saut, mais Mario, il a fait, ah non, moi, je veux pas envie de sauter, merci. Allez, hop, 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 hop. Cours, ne t'arrête hop. Pas. Hop, hop. Ah mais en fait, ça sert à rien. En fait, d'aller... Mais non, mais ça sert à rien d'aller là. Ils ont mis un truc pour te tuer, en fait. C'est méchant! Ils sont méchants! Mais ils sont méchants! Bon, alors du coup, il faut pas aller là-bas. Non. Donc. Voilà, c'est bon. Ouf! Et maintenant, faut réussir à avoir le truc avec ça. Il reste 200 secondes. Ah, c'est complètement raté. C'est bien, parce qu'on avait envie de refaire le niveau, bien sûr. Ça amuse tellement bien que du coup. Yeah! Oh là 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 là! Allez Mario! Oh oui! Oh là là! Oh. Quel talent! Ah oh, bien joué! Il est trop fort Mario! <C'est>... Oh là 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 là! C'était dur! Voilà, c'est bon, nous y sommes, on est à pile la moitié du niveau, enfin du monde, c'est beau! Il reste deux niveaux, enfin trois niveaux et une maison de Toad, c'est beau. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Superbe Mario 3D Land. Dans le prochain épisode, nous visiterons le niveau 4. Au revoir tout le monde. Salut.